Le chasseur. Acte 2, scène 1. Une célébration bédouine. Une danse rythmique. À la fin de la danse, tout le monde se retire. Le chasseur seul avec la femme en noir. La femme en noir. Je vous ai attendu longtemps. Le chasseur. J'ai essayé de franchir la frontière, mais une folle envie m'a ramené au désert. La femme en noir. Êtes-vous de retour pour nous venger? Le chasseur, je ne sais pas. J'ai senti que ma vie s'est prolongée jusqu'à devenir un trophée comme cet aigle. L'aigle apparaît avec toute sa parure crucifiée sur la porte de la tente. La femme en noir. Je vous apporte une bonne nouvelle. L'aigle est mort. Les quatre chasseurs l'ont tué. Le chasseur, avec amertume. Ceci pour honorer mon retour. La femme en noir. C'est une nuit oppressante. Le chasseur. Ma chère épouse, nous célébrons notre mariage. Ne vous mettez pas dans cet état de désarroi. Le narrateur. Ce genre de vraie amitié se transforme psychologiquement en terreur. Chaque être humain passe par des circonstances durant lesquelles sa maîtrise de soi-même s'affaiblit. Ses nerfs le lâchent. C'est ainsi. J'ai subi cet événement critique pendant que j'ai passé l'examen de fin d'études. Ma confiance dans mon ami était à son apogée. J'ai ainsi délimité ma passion pour cette femme. J'ai observé une grande retenue pour protéger un dérapage de ma pensée. J'avais drôlement besoin de me concentrer dans ce moment critique de ma vie. Le chasseur, scène 2. Deux personnes se positionnent dans le coin du terrain. Le jeune homme, il faut que j'émigre. La jeune fille, montrant l'aigle sur la porte de la tente. Observe nos lois qui sont figées comme les yeux de cet aigle. Le jeune homme avance d'un pas. Chut, il nous écoute. La jeune fille, il raconte qu'il est le nouveau symbole de notre tribu. Le jeune homme, avec détermination, il l'a protégé. La jeune fille, regarde comme il est beau. Le jeune homme, ne t'accroche pas à cet être qui est mort. La jeune fille, veux-tu que je m'approche à des êtres vivants tiraillés par des envies, l'un qui veut émigrer, un autre qui chasse, un troisième qui ensevelit une mort, un mort que nous ne connaissons pas, d'une poignée de terre, un autre immobile en train de prier pendant que des femmes sont confinées dans un grand espace et qui attendent. Que c'est pénible d'attendre. Non, je ne veux pas attendre. Je pars avec toi. Scène 2, suite. Le jeune homme, je t'ai dit que je vénère ces deux êtres. En même temps, je plains leur bonté. La jeune fille, non, pas de pitié pour sa femme. Elle n'a pas ôté son voile noir car elle sait qu'il allait se faire tuer sans aucun doute. Le jeune homme, n'est-ce pas suffisant ce qu'elle va lui offrir cette nuit de générosité et d'amour? Le chasseur a parcouru tout le désert et a observé de près la terre des hommes civilisés. Et s'il est de retour, c'est pour satisfaire son humanisme, même si cela se termine par un meurtre. La jeune fille, avec un soupir, ne peux-tu pas le sauver? Le jeune homme, tu commences à lui vouer une vraie tendresse. La jeune fille, ne peux-tu pas le sauver? La chute, acte 2, scène 3. Le choc d'une révélation, deuxième partie. Le mystère d'une vie après la mort. Appelant Sazdel, je suis encore trop fatigué. Sazdel, je te rappelle que tu as écrit scène 4, quelle merveille! Et comme un noyé, il essaye de s'accrocher à la vie, à sa petite fille qui représente la réalité, l'avenir, l'espoir, la pureté, l'innocence, patrie. C'est le seul moyen de s'assurer qu'il est encore vivant, qu'il a encore un parcours à accomplir, un chemin à suivre. Il faut qu'il se relève, mais cette chute l'a brisé. Il
se sent faible et impuissant sous le fardeau de la vie et des événements tragiques dont il est témoin et qu'il essaye de changer à tout prix, mais il en est incapable tout seul. Il appelle au secours ses amis, en particulier sa petite fille. Il s'accroche à elle de toutes ses forces. Il est sûr qu'il peut compter sur elle, mais il baigne dans les ténèbres. Louis, ta lucidité me comble, très cher ami. Elle, c'est tout ce que j'ai pu écrire, très cher ami. Maintenant, tu es rentré chez toi. Qu'attendez-vous? Louis, beaucoup de choses, mais la fatigue est immense. Elle, il n'y a pas d'issue, vous devez transmettre le message. Louis, personne ne me croira,